C'est une série qui se poursuit, on continue à pas perdre sur le match avec Metz, donc c'est positif, mais même s'il y avait peut-être quelque chose à gratter, surtout en deuxième mi-temps, je pense qu'on était mieux qu'eux, on a mieux fini qu'eux, donc on n'a pas pu mettre ce but qui nous aurait permis de vraiment bien passer une super semaine. Donc c'est dommage, mais bon, on continue notre série, on prend pas de but et c'est important pour le moral. C'est vrai que quand tu joues le mardi, quand tu as joué le samedi, c'est pas évident de se mettre dans le premier quart d'heure, de se mettre dedans. Eux, ils avaient un jour de récup en plus, donc peut-être qu'ils étaient un peu plus frais que nous, mais on a résisté, on a montré aussi qu'on avait du mental, parce que c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas prendre de but, et dans les périodes où on est un peu moins bien, ben, justement, il faut réussir à rester solide. Donc à domicile, on prend peu de buts, c'est ça qu'il faut retenir aussi, et sur la fin de saison, on aura besoin de cette solidité à domicile, ça c'est sûr. Je pense que c'est un match nul assez logique. Je pense qu'on a manqué un peu de notre entame. On a manqué notre entame du match. Ensuite, on a eu du mal à se mettre au niveau qui est le nôtre. Ensuite, bon, on a eu quand même une belle réaction en deuxième. On a eu quand même, je pense, un peu plus d'opportunités que Dijon. Malgré leur occasion qu'ils mettent sur la barre, on a peut-être un peu plus poussé. Mais je pense que voilà, comme dans l'ensemble, le match nul est logique. C'est important de ne pas prendre de but. Ça fait deux matchs qu'on ne prend pas de but. Et justement, sur le plan comptable, on avance quand même. Et on sait que c'est difficile des fois d'enchaîner deux matchs à consécutifs à domicile. Donc c'est quand même une série positive. On va essayer de la maintenir et de la continuer les samedis face à Rennes. Et voilà, il faut des matchs comme ça, des fois, c'est arrivé surtout à la phase aller où on n'arrivait pas justement à garder ce petit point qui nous permettait d'avancer. On perdait des fois ces matchs 1-0 et on avait plus de regrets que ce soir. Donc voilà, on va se contenter de ce match nul et continuer à travailler et essayer d'accrocher encore le maximum de points samedi face à Rennes. C'est l'objectif de récupérer des points à l'extérieur pour nous permettre de bonifier les points à domicile. On fait de bons matchs à domicile, on récupère des points. Bon, maintenant, c'est à l'extérieur à gratter 2-3 points qui nous seraient essentiels à l'espoir du maintien.